لكنني بتتمدد. تعمقنا في حرفهم وعشنا حكاياتها. كيفاش جاتك فكرة أنك تخدم على العمالية؟ أولاد بلادي مع منتصر من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10:30 صباحا ويعاد على 3:30 زوالا. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la version homme de femme d'aujourd'hui et mon invité, justement, accepte de jouer les jeux de notre rendez-vous, d'aller pleinement dans ce qui fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, les réussites et surtout, les belles remises en question qui ne lui font pas peur. On y va pour les détails. Média, Yasmine, version homme. Souleymane Belhaj, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Souleymane? Très, très bien. En tout cas, en forme pour une fin de semaine. Alors, Souleymane Boulhaj, vous vous définissez comme un promoteur du changement positif. D'où vient cette philosophie de vie? Alors, je veux dire que cette philosophie de vie remonte à quelques années. Dans le sens où tout un chacun fait un travail sur soi. Et pour moi, ça a été cette quête, cette introspection que j'ai faite sur moi-même pour savoir un peu quelle était ma mission de vie, quel était l'objectif principal d'être là, durant ce parcours de vie. Et c'est ce cheminement vers le changement, c'est-à-dire de pouvoir, à travers les différentes actions que j'entreprends, aider d'autres personnes à changer positivement, a fait que ma définition en tant que promoteur de changement positif fait partie de ma mission de vie. Alors, quand on se pose ce genre de questions, quand on se pose des questions par rapport à sa propre mission de vie sur Terre, pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit laisser et comment on doit aider, Feynman, de par l'expérience que j'ai eue des entretiens dans Femme d'aujourd'hui et dans Version Homme, ça émane souvent de moments complexes dans la vie, de moments parfois compliqués, complexes. C'est rarement, lorsqu'on va bien, qu'on se pose des questions existentielles, c'est souvent quand la personne ne va pas bien. Est-ce que ça a été votre cas aussi? Écoutez, je pense que tout un chacun, sans vouloir bien sûr généraliser, à des périodes, on va dire, des ups and downs, dans sa vie, donc des hauts et des bas. Hein, la vie, c'est comme des montagnes russes, hein, ça monte et ça descend. Mais au-delà de ça, c'est le fait que nous sommes tous des personnes qui avons la tête dans le guidon, c'est-à-dire que quand on termine nos études, pour ceux qui ont fait des études, on entame notre vie professionnelle, ensuite, automatiquement, enfin pas automatiquement, mais on cherche aussi à construire un foyer, avoir des enfants, et puis on avance, mais sans avoir un objectif précis. C'est vraiment vivre au jour le jour, jusqu'à un moment on se dit, mais attends, stop. À quoi bon faire tout ça? Dans quel objectif? Dans quel sens? Et moi, ce questionnement, bon, ça m'est arrivé tardivement, c'est arrivé en 2015, où effectivement, c'était dans une phase de ma vie où j'étais dans un environnement professionnel, on va dire très stressant, où je travaillais 6 jours sur 7. Bien sûr, je gagnais bien ma vie, mais à côté de ça, qu'est-ce que j'apportais pour mes proches, pour mes enfants, pour mon foyer? Et c'est cette remise en question a fait que je me suis dit, il faut s'arrêter maintenant, il faut faire un arrêt sur image et savoir où est-ce que je veux aller. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cette quête de sens. Et pour me reconnecter avec moi-même, parce que c'est très important d'être connecté avec soi-même, de savoir qui nous sommes.